Bonjour à tous, c'est Tix et vous allez sûrement me dire que cette intro ne semble avoir aucun lien avec le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Return to Castle Wolfenstein, et vous aurez tort car elle pose en quelque sorte sa mythologie scénaristique et justifie le background surnaturel dont cet épisode se nourrit. Sorti en 2001, le jeu fut une petite claque graphique pour son époque, et même encore aujourd'hui, je le trouve très agréable à l'œil, notamment par ses couleurs et ses jeux de lumière très réussis. L'esthétique du jeu elle-même est très réussie et on se retrouve indéniablement plongé en plein cœur de l'Allemagne nazie. Au niveau du gameplay, nous avons affaire à un shooter classique dans son approche, mais efficace, et plutôt rapide et nerveux à jouer, comme vous pouvez le constater à l'image. Mais comment parler de ce Return to Castle Wolfenstein sans citer son illustre aîné, le grand-père de tous les FPS, celui par qui tout a commencé, j'ai nommé Wolfenstein 3D. En 1992, c'est comme cela que se jouaient les FPS en 2D, avec des effets de zoom et de dézoom afin de donner une impression de profondeur. Alors si ce jeu a révolutionné l'approche même des jeux vidéo à l'époque, il ne ressemble guère plus qu'à une bouillie de pixels de nos jours. Mais tuer des rageux en voulant se faire passer pour des bergers allemands, ça n'a pas de prix. Bon, et si on revenait aux choses sérieuses, Car ce second opus de la série nous met à nouveau dans la peau de Blaskovich, le soldat américain fait captif dans le château Wolfenstein. Alors si le premier objectif est de s'enfuir de la forteresse pour rallier un village aux mains des alliés, nous n'allons pas tarder à partir en croisade contre une tripotée de généraux nazis aussi moches que fous. Empreint d'ésotérisme, le scénario ne tarde pas à mettre en lumière les recherches archéologiques nazies, dont le but est de localiser et ressusciter le roi Heinrich Ier, adepte des cultes païens et détenteur de nombreux pouvoirs maléfiques, après avoir signé un pacte de sang avec les divinités traditionnelles. C'est lui que l'on voit d'ailleurs être enfermé dans une prison de lumière lors de la cinématique d'introduction. Alors ces recherches ont d'ailleurs amené à la vie de nombreux guerriers ancestraux et autres morts-vivants. Et à ce titre, les niveaux se déroulant dans les cryptes sont stressants à souhait, avec ces ennemis qui apparaissent dans votre dos et qui explosent les murs pour vous rattraper. À l'époque, quand j'étais gamin, j'étais un peu une grosse flippette, et j'ai vraiment mis beaucoup de temps à terminer ce premier niveau souterrain. Un niveau qui se termine d'ailleurs par un fight contre un mort-vivant enflammé, ce qui me permet d'ailleurs d'enchaîner sur les effets de feu hallucinants de réalisme pour l'époque. En tout cas, moi, ça me mettait sur le cul. Bon, aujourd'hui, on voit très bien que c'est juste un vieux JPEG en 2D qui évolue un petit peu, mais bon, ça le fait toujours autant. Et le gameplay tente parfois de se diversifier. En témoigne la fameuse séquence dans la forêt, lors de laquelle nous devons nous faufiler en toute discrétion, dans une base ennemie très surveillée. Couteaux et mitrailleuses silencieuses sont de rigueur. Par la suite, l'aventure nous emmènera aussi sur les traces de Wilhelm Strasse, dit le boucher, qui en tant que bon scientifique nazi utilise des cobayes humains pour ses recherches en robotique. Et cet enfoiré va mettre au point certains des pires ennemis du jeu, à savoir les espèces de cul de jatte à l'anus électrique, qui sont de véritables plaies. Et même en facile, ils peuvent nous déchirer la gueule en quelques secondes à peine. On rencontrera aussi les Übersoldats, sorte d'hybride Terminator Robocop de l'ère nazie. Bien heureusement, quelques roquettes bien placées en viennent à bout assez vite. Et au niveau des boss, on a le droit à du bibin d'homme bien dégueulasse à combattre dans l'enceinte d'une église. Pas bien compliqué, il suffit de tourner autour en tirant. Et le jeu vraiment old school dans son approche, car ID Software, les développeurs n'ont pas pris le risque de s'éloigner des standards de l'époque. Mais le plus difficile et compliqué des boss à combattre, c'est le super méga Uber Soldat de la mort qui lui-même est une véritable petite connasse. A l'époque, j'avais même dû exploiter un bug pour le tuer, c'est dire. Car même le boss final est plus simple, alors là il suffit de le tourner autour en sautant et en le noyant sous une pluie de roquettes. Youhou, c'est trop excitant. À sa sortie, ce second opus de la franchise Wolfenstein avait su charmer autant les critiques que les joueurs et avait fait son petit effet dans le monde du FPS. Mais est-il cependant le digne successeur du père de tous les FPS? Je ne saurais répondre à cette question, mais pour ma part, j'ai adoré le parcourir et même encore aujourd'hui, pour le My Feeling, j'ai pris du plaisir à y rejouer.
preuve sûrement que même après 9 années, le jeu reste bon et divertissant. Et en cette période de disette en bon shooter, je pense qu'il est très bon de se retourner vers ces jeux qui proposent de vraies campagnes solo longues et haletantes. Car le passé recèle de véritables petites pépites, hein, malheureusement éclipsées par le tape à l'œil du grand spectacle à l'intérêt plus que limité que l'on nous sert aujourd'hui à tour de bras. Enfin bon, je pense avoir été suffisamment complet sur le jeu et je vous propose de nous retrouver dans un instant en live histoire de montrer à ces enfoirés en uniforme qui c'est le papa. Mais avant toute chose et pour quelques secondes, hein, je vous laisse en charmante compagnie car je sais que vous aimez les tas de pixels qui représentent des illuminés coquines et sexy. A tout de suite. Ta gueule, espèce de sale chien galeux. Et on se retrouve, comme je vous l'avais promis, sur Wolfenstein, et on va visiter un petit peu. Donc là on est dans la deuxième partie du premier niveau du jeu. On doit s'échapper toujours du château. Tiens, tu faisais griller quoi là? Des merguez ou quoi toi? Et donc les petits plats ici c'est pour redonner de la vie. On peut casser des trucs habituellement mais là j'ai pas réussi. Donc on va la jouer au gros casse-cou. Tiens, oh là là, magnifique. Bim. On va essayer de passer. Oh, oh toi t'es un petit coquin, tu t'es caché. Alors est-ce qu'il y a des munitions dans le coin? Non, il y a que dalle, il y a que dalle. Il y a de la vie, j'en ai pas besoin, génial. La porte qui se ferme quand je veux passer. Ouh là là là, dans la tête. Donc il n'y a aucun démembrement, il n'y a pas beaucoup de sang, il y a quelques petites traces. Voilà les petits éléments scriptés hein, qui pour mettre un petit peu de dynamisme et de saut dans le vide impressionnant, vous voyez ça, voilà. Les ennemis sont pas mal modélisés honnêtement au niveau de l'uniforme, on voit bien, ça rend bien foutu pour un jeu qui a maintenant 9 ans. À l'époque c'est une petite claque graphique quand même, hein, il faut l'avouer. Bon là par contre l'alarme elle commence à me taper sur le système, j'espère que vous allez m'entendre. Faut savoir que le jeu tourne sur le moteur de Quake 3 il me semble, qui a été amélioré pour l'occasion. Et un petit cochon qui est caché là. Tiens, achète des réflexes. Ouh, il y a un snipe. Il y a un snipe. Où est-ce qu'il est? Il est là. Tiens, remballe ta salive. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Parce que je l'ai pas refait, donc je redécouvre. Hein. Fermé, génial, on va rester bloqué. Je me tue. Oh, un souterrain. On va voir ce qui se cache dans ce souterrain. Maléfique. D'accord, c'est là que je viens, génial. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Ah, enfoiré. Punaise. Il y a des petits mots à lire là, voilà. Je pourrais mettre sur pause et le lire. Parce que moi j'en ai rien à foutre. Hein. Là je crois qu'on va pouvoir remonter. Vite, vite, vite. Je pense en y rejoignant que j'aurais limite pu faire un play fast sur ce jeu parce que les mouvements sont fluides, sont rapides, très dynamiques. C'est plutôt agréable à jouer. Alors allez par là. Allez, allez, allez. Non! Merde! Je suis bloqué! Putain, je suis keblo. Ah voilà. Non! Tiens, mange ça, toi. Vite, il me faut de la vie. Il me faut de la vie. Ah là là, allez vite. Youhou! Et bien sûr, je fais le gros autiste, punaise. Ah. Ah, tu peux me dire pourquoi il faut être deux pour garder des ranches et de vieilles bouteilles de vin? Pourquoi il faut être deux pour éviter ça? Tiens. Comme vous avez pu les entendre, hein, les deux Allemands là, ils les ont pas loupés au niveau de la caricature. Hein. Oui, parce que c'est eux, gros allemands, et ils parlent comme ça, avec le gros accent, bien allemand, bien tout rein. Je crois que je vais finir toute la vidéo avec cette vieille accent de merde. D'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir boire un petit peu de vin là, histoire de remonter ma fille. Mais je ne sais pas si c'est possible. Et en tapant dessus, ah, on voit le vin qui coule. Ça, pour l'époque, c'était absolument incroyable. Bon, allez, trêve de conneries, là. Vous avez déjà dû couper. Allez, allez.
Oh, tu manges, toi. Ça devait être un chef, lui. Il avait masse vie. Attends, lui, il a plus de tête. Et lui, il a plus de tête aussi. Vite de la life. Oh, putain. Oh, il a poupé, lui. J'ai regardé les cabrioles dans les escaliers, là. Comme il n'y a pas de physique, ils ont fait genre, c'est des... Genre, je sais pas, un toboggan, là. Alors, Free Hartman. Je sais pas ce que c'est, ça. Ouh là là, il y a du monde. J'ai 4 de vie. Je vais mourir. Non, j'y crois pas, je vais mourir. J'ai 4 de vie, quoi. Non, ouh, de la vie, vite, vite, vite. Ouh, j'ai 29. Non, non, non. J'ai 11. Crève. Vite, vite, vite. Ouh, il a mangé. Ah, j'ai mangé le saucisson. Ah, le saucisson. Une tranche de pain, du saucisson, il n'y a rien de meilleur. Ouais, je pense qu'on peut limite essayer de finir ce niveau. Je sais pas combien j'en suis au niveau du... Ouh là là ! Enculeux. Jump shoot. Punaise. Fairbottom. On va y aller. C'est interdit, mais... C'est fermé, ah, ils sont marrants. Munitions. Ouais, bravo. De la vie, de la vie, de la vie. Et des munitions. Allez, 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 allez. Ouais. Ah bah voilà. Le fameux bidon explosif. Ah non, c'est pour aller dans la cage secrète avec des lingots. Oui, parce que dans ce jeu, on peut trouver plein de trésors, genre des statuettes, des graals, etc. On va continuer, on va essayer d'avancer un petit peu là. Ah bah, faut remonter, voilà. On va éteindre... Ah non, c'est pas pour éteindre... La lame, c'est pour ouvrir la porte de merde. Il se passe que... T'es mort. Punaise. J'ai envie de vous... Ah oui. Allez, allez. Tiens. Mange ça. Enfoiré de nazi. Tiens. Fais pas le poids face à mon gros engin. Allez, on se magne. Oh, du saucisson. Et j'ai tout mangé. C'était bon. Où est-ce qu'il faut que j'aille? C'est ridicule. Ah, c'est bon, je me rappelle. Punaise. De toute manière, je crois. Ah, toi, tu l'as pas vu venir, celle-là. J'ai réussi à ouvrir la porte qui est par là. Non, par là. La cave à vin, on y est suffisamment. Allez. Tiens, toi. Mel Gibson allemand, là. Regardez. Ah, me fait shooter la gueule. Vite, cours. On va aller tout droit. C'est fermé. On va donc aller à droite.